écoutez, bien-aimés, lorsque Moïse est mort, il y avait la confusion dans le camp d'Israël. Mais l'Éternel a dit à ce jeune homme appelé Josué, fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas ce matin ton problème. Je ne sais pas ce matin, bien-aimé, ce que tu es en train de vivre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un dans ce temps d'adoration, j'aimerais que tu dises à Jésus, je sais qu'avec toi tout est possible. Il y a quelqu'un qui se demande, je prie, je ne vois rien. Je prie, ma vie ne change pas. Je prie, les problèmes augmentent. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises à Jésus, tu es mon bouclier et ma force. Tu es ma bannière. Bien-aimé, le Seigneur ne t'abandonnera point. David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras jamais dessus. Je ne connais personne qui a, bien-aimé, qui a suivi ce Jésus, qui s'est attaché à ce Jésus, qui a échoué. Je ne connais personne, bien-aimé, qui s'est donné à ce Jésus, qui a échoué. Ma kaika yesa. Mante la moche kona barasanda. Le kamosha. My God, my God, my God. Mazuke le branche le bossa. Ma kate le moche kona barasanda. Ton problème n'est pas plus que Jésus. Ton problème n'est pas plus que Jésus. Cet homme de 33 ans qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Le Dieu qui se fait cher, bien-aimé. Il s'est fait cher pour ressentir ce que tu es en train de ressentir. Il a accepté de mourir. Il a accepté de payer un prix pour toi. Bien-aimé, ne te livre pas à l'impudicité. Ne te livre pas, bien-aimé, aux choses de ce monde. Les choses de ce monde sont passagères. Il n'y a pas la meilleure vie que la vie de Jésus. L'apôtre Paul est en train de dire qui nous séparera de Dieu. Ce n'est ni les anges, bien-aimés, qui te séparera de Jésus. Ce n'est ni le problème qui te séparera de Jésus. Ce n'est ni les difficultés, bien-aimés, des siècles présents qui te séparer de Jésus. Espérant l'Éternel, bien-aimé, tu ne seras pas confuse. Espérant l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Ce Dieu n'a jamais trahi. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu vivant. Toi qui vis dans la confusion, la Bible déclare que le ténèbre ne régnera pas toujours. Aujourd'hui, je vais retenir. C'est le jour de ta libération. Toi qui pleures, le Seigneur est en train d'essuyer des larmes. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. My God. Ma kaiga isa, mandala boche kola barasanda, hayaka boche, le kaboche kola barasanda la baboche, mandala boche kola barasanda, makatele boche kola barasanda, mandala boche kola barasanda, hola baboche kola barasanda, mandala boche kola barasanda. Il est le Dieu vivant. Oui, je te loue. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Il est le Dieu véritable, c'est Dieu. Il est le Dieu vivant, Jésus de Nazareth. Le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Il est sorti vivant, dit-il qu'il n'était pas strict pour le contenir. Il a vaincu la mort et le séjour de mort. Il est le Dieu vivant. Maka, télébo, shekola balasanda. Mandela bo, shekola balasanda, la baboche. Le kabo, shekola balasanda. Mandela bo, shekola balasanda, la baboche. Bien-aimé, adore Dieu. Malgré les péchés dans ta vie, dis à Jésus, tu es capable de me délivrer. Tu as payé un prix à la croix pour moi. J'aimerais prophétiser pour une personne. C'est la fin de la confusion dans ta vie. La confusion est en train de prendre fin dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un,
La confidence est en train de prendre feu dans ta vie. Haïkaï, Maïkada. Oh, tu es Dieu. My God, tu es le Dieu véritable, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Il est le Dieu parmi nous. Il est le Dieu véritable. Emmanuel est là, bien-aimé. Lorsque la toute puissance de Dieu descend dans un lieu, c'est pour libérer le captif. Lorsque la toute puissance de Dieu descend dans un lieu, c'est pour libérer les chaînes de ténèbres. Emmanuel est Dieu créateur de présent. Pendant que tu chantes Emmanuel, Emmanuel est là, bien-aimé. Emmanuel est présent. L'exemple de péché. Il est présent, Emmanuel. Il est présent, le Dieu de l'éternité. Il est présent. Le faiseur de miracles. Il est présent. Le libérateur de captifs. Il est présent. Celui qui vient de mort et la chose arrive. Il est présent. Celui qui peut changer l'impunité de la fatalité. Il est présent. Le Dieu est capable. Il est en train de consoler les âmes blessées. Il est tenté de consoler les âmes brisées. Makate le moshe kola balasada. Mandiana moshe kola balasada. Makale moshe kola balasada. Jésus est tenté de consoler. Le Dieu de l'éternité est présent. Sa toute puissance est là. Je suis tenté de voir la présence de Dieu. Emmanuel. Bien-aimé, je prie pour que le talent ouvre les yeux. Que tu puisses réaliser ce qui se passe en Seigneur. Je prie pour que le talent puisse te toucher et affecter ta vie. Si tu peux m'entendre, tu peux être affecté. L'option de Dieu est en train de te toucher. L'option du Seigneur est présent. L'option de Dieu est là. Il a dit non sa parole. Le dernier jour, je répondrai mon message de te toucher. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Vos vieilles auront des songes. La promesse est en train de s'accomplir. Cette génération, écoutez-moi. L'Éternel est en train de susciter une génération. Une génération de gens qui ne tiennent rien si ce n'est que les péchés. Une génération de prophètes. Une génération des évangélistes. Une génération de prophètes. Une génération des apôtres. Une génération de l'homme des docteurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette génération. Merci pour cette génération. Merci pour cette génération, Père. Merci pour cette génération. Il est présent le Dieu de l'éternité. Il est présent le Dieu de l'éternité. Cette génération, écoutez-moi. Vous êtes ce dont l'Éternel a choisi pour élever, bien-aimés, plusieurs dans cette génération. Écoutez, garde silence. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de te toucher. Marie, là où tu es, la grâce de Dieu est en train de te localiser.
Je suis tenté de dire la grâce de Dieu est en train de te localiser. Sois touché de la puissance de Dieu. Il y a une onction nouvelle qui tombe sur toi. Il y a une onction nouvelle qui tombe sur toi. Il y a une onction nouvelle qui tombe sur toi. Merci Père. Merci le Dieu des esprits des prophètes. Makaiga yesa. L'onction est en train de te toucher là où tu es. L'onction est en train de te toucher là où tu es. Cette génération, écoutez, je suis tenté de sentir un esprit de prophétie retomber en ces lieux. Je suis tenté de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas comme ton père. Tu ne mourras pas comme ta mère. Le Seigneur t'a choisi pour faire de l'espoir avec lui. Oh my God, my God. Le ciel proclame. Le ciel proclame la gloire du Messie. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh merci, la gloire du Seigneur est là. C'est dans ce moment pareil où de vie change. C'est dans ce moment pareil où des âmes sont délivrées. C'est dans ce moment pareil où les chaînes se brisent. C'est dans ce moment pareil où les impuniques et bien-aimés sont libérés. C'est dans ce moment pareil où les aveugles voient. Il y a une nouvelle onction qui est là. Le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a appelé, je l'appelle le Dieu que j'ai rencontré à Kimbembe. Le Dieu que j'ai rencontré à Scholastica, le Dieu d'Iberkaï, il est le Dieu vivant. Makaigash. Manja labo shekola balasana. Écoutez, je sens tellement la grâce du Seigneur. Il y a des gens qui sentiront ce qu'ils n'ont jamais ressenti. Alléluia. Car la présence du Seigneur est présente. L'onction de Dieu n'est pas là pour te faire sentir des sensations. La Bible déclare la terre est informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. J'aimerais déclarer pour la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit est là pour amener la lumière dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour changer l'histoire de ta vie. Le Saint-Esprit est là pour affecter et toucher ta vie. Il n'a jamais changé ni échoué. Le Dieu qui a rencontré les apôtres est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette génération, écoutez-moi très bien. Si vous les cherchez de tout votre cœur, vous allez les rencontrer. Si vous cherchez l'Éternel et non pas bien-aimé, cherchez l'onction ni des sensations. Cherchez l'Éternel et vous serez guéri. Cherchez l'Éternel, vous serez guéri. J'ai dit cherchez l'Éternel, vous serez guéri. Ne recherchez pas des dons. Ne recherchez pas, bien-aimé, la puissance de Dieu. Cherchez à connaître celui qui s'est donné à la croix. Cherchez à plaire à Jésus. Et toutes ces choses viendront par-dessus tout. Tu es le Dieu vivant. Là-haut dans le ciel, le pan de ta robe couvre ta cité de gloire. Les anges se prosternent et cachent leur visage à cause de l'éclat de ta gloire. Et moi j'ai compris, il faut que ta volonté s'efface sur la terre comme au ciel. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et Yahweh, j'attendrai jusqu'à ce que